signature entre la République du Tchad et la Banque mondiale d'un accord de financement d'un projet dénommé Albia. Le projet vise à améliorer la gestion des ressources naturelles dans les zones vulnérables du pays. Pour venir à bout de la pandémie du Covid-19, le ministre de la Santé a inauguré une unité de diagnostic de Covid-19. Cette unité de dépistage vient renforcer l'unique laboratoire mobile de Farsha. Un jeune basketteur tchadien déclaré par la NBA meilleur défenseur de l'année 2019-2020, il se nomme Chris Komadji. Son portrait suivre dans ce journal. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Nous recevons sur ce plateau le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Natera. Bonsoir, monsieur le gouverneur. Bonsoir, madame Asha. Avec vous, il sera question de parler sur la pandémie du coronavirus. Mais bien avant cela, nous allons découvrir ensemble l'actualité de ce soir. Merci. L'évaluation de la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus a été au centre d'une rencontre regroupant les membres du comité de gestion des crises sanitaires autour du chef de l'État Idriss Déby Itno. La tendance de la maladie est en baisse, a-t-on constaté lors de cette réunion, mais les mesures barrières restent toujours de mise tant que la maladie n'a pas complètement éradiqué. Assirana Mbatinga. Comme de tradition, cette rencontre dirigée par le chef de l'État a d'abord fait l'évaluation de la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus sur toute l'étendue du territoire national. Il ressort de cette évaluation que la tendance baissière s'est maintenue depuis 3 semaines, mais les mesures barrières doivent toujours rester de mise. À cet effet, il est recommandé un renforcement des dispositifs tant sanitaires que sécuritaires au niveau des frontières pour éviter le risque de contamination par cette piste. Tout en saluant cette tendance baissière de la maladie, le président de la République a insisté sur la vigilance à toute épreuve en demandant au ministère de la Santé publique de maîtriser le vraisemblable et de gérer l'imprévisible tout en ayant une vision anticipative tant en termes de structures sanitaires innovantes qu'en termes de valorisation des ressources humaines. Prompt à l'action, le chef de l'État a ordonné la mise sur pied d'une grande structure de santé publique censée répondre efficacement aux besoins du pays en cas d'épidémie. Comme un accent particulier est mis sur la sensibilisation dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, le chef de l'État a demandé au sous-comité sensibilisation de renforcer et d'accentuer la sensibilisation pour éviter toute contamination tant que la maladie n'est pas totalement éradiquée. Même si dans cette lutte, le Tchad a bénéficié des appuis des partenaires techniques et financiers, la rencontre de ce jour a relevé que ces appuis ne sont pas à la hauteur des attentes. Compte tenu de cette timide mobilisation du partenaire, le chef de l'État a demandé au sous-comité mobilisation des ressources de travailler en synergie et en parfaite intelligence pour amener les partenaires à tenir leurs promesses. Il a en outre déploré le retard dans l'acquisition des matériels et équipements agricoles commandés, insistant particulièrement sur les produits et intrants agricoles prévus pour la campagne agricole qui démarre. La ministre en charge de l'agriculture, Majidien Pajarut, conviée à cette réunion, a donné des explications ainsi que les démarches entreprises pour que la campagne agricole puisse démarrer sans risque de retard. Les explications fournies par la ministre n'ont pas empêché le chef de l'État d'instruire pour une accélération des procédures afin d'éviter le retard. La ministre du Développement touristique, de la Culture et des Arts, Madeleine Alingué, a quant à elle plaidé le sort des artistes dont les activités ont pris un coup à cause de la pandémie du coronavirus. Très sensible au sort des artistes, le chef de l'État a instruit la ministre pour une réflexion approfondie impliquant d'autres ministères et acteurs concernés afin de booster ce secteur dont l'apport économique et financier n'est pas négligeable pour le pays. La rencontre a pris fin par la décision de lever la mesure d'interdiction de circulation des bus de transport interurbain pour 1 mois à compter du 25 juin, sous le respect strict de la distanciation sociale et le port obligatoire des masques. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce mercredi 24 juin se présente comme suit. 29 échantillons analysés, 0 cas confirmés, 13 guéris, portant le total à 770, 0 décès. Le total des décès reste 114, 16 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars est de 860. Les provinces touchées sont N'Djamena 759, Ouattassi, Chariba-Guirmé 1, Enedi-Est 1, Guéra 19, Kanem 18, Lac 5, Logone-Occidental 13, Logone-Oriental 8, Montoul 1, Mouyékibi S3,
Moïchari 11, Sila 2, Wadaï 7 et Wadifira 6. La coordination nationale de riposte sanitaire appelle la population à plus de discipline et un sens accru de responsabilité afin de mettre fin à la propagation de cette maladie aussi. L'observance stricte des mesures barrières reste de rigueur. À la signature, le coordinateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchimi. Et je le disais, le gouvernement de la République du Tchad et la Banque mondiale ont signé ce matin un accord de financement d'un nouveau projet dénommé Albia, qui signifie en fondement, le projet vise à améliorer la gestion des ressources naturelles dans les zones vulnérables du pays. La cérémonie a vu la présence du ministre de l'Environnement, son collègue de l'économie et le représentant de la Banque mondiale, Esther Abdelkader. Le Tchad est l'un des pays les plus menacés par le changement climatique. Il faut une synergie d'action pour transformer les menaces en opportunités. C'est dans ce cadre que le gouvernement tchadien et la Banque mondiale signent ce document qui met en place un projet dénommé Albia. L'amélioration de la gestion des ressources naturelles dans les zones vulnérables seront les priorités de ce projet. Cette réserve couvre 5 provinces. Le Baré El Ghazal, le Borku, l'Enedi Ouest, le Bata et l'Oadi Fira. Et c'est l'une des plus grandes réserves de faune au monde. Soyez fiers de cela. L'accord de ce projet vise également à investir dans les activités génératrices des revenus des communautés bénéficiaires. Avec ce projet Albia, d'un montant global de 54,5 millions de dollars, financé à hauteur de 50 millions de dollars par le fonds IDA et à hauteur de 4,5 millions par le fonds pour l'environnement mondial à travers la banque, je demeure convaincu que l'objectif visé d'améliorer la gestion des ressources naturelles et les moyens d'existence des populations à l'intérieur et autour de la réserve de Wadi Rim et Wadi Hashim au Tchad sera atteint. Le ministre de l'économie, de la planification et du développement, Issa Dobrin, précise que le projet Albia découle du PND 2017-2021. Il est naturellement de la vision 2030, le Tchad que nous voulons. À la lumière de la récente pandémie de COVID-19, l'appui apporté par votre institution à travers ce projet sera encore plus pertinent pour les communautés bénéficiaires par le renforcement de leur résilience, grâce à l'amélioration de leurs moyens d'existence, à travers la création aussi d'emplois et des activités génératrices de revenus, ainsi que le renforcement du système de santé, grâce à l'initiative WASH, Water Sanitation. Issa Dobrin encourage les partenaires techniques et financiers à la mobilisation des ressources, car le Tchad est une destination d'avenir pour les investisseurs étrangers. Le gouvernement de la République du Tchad multiplie des actions pour venir à bout de cette pandémie. Hier, le ministre de la Santé, Mamoudou Youssouf Kayal, a inauguré une unité de diagnostic de COVID-19. Cette unité de dépistage vient renforcer l'unique laboratoire mobile de Farcha, Moussa Mboud Abdoulaye. Bien que la courbe de contamination du coronavirus soit en baisse, le gouvernement ne baisse pas la garde. Après le laboratoire mobile de diagnostic du COVID-19 de Farcha, une autre unité de diagnostic de coronavirus est inaugurée au service de virologie du Centre hospitalier universitaire de référence nationale par le chef de département de la santé publique. Cette unité de diagnostic de COVID-19 a une capacité d'analyse de 288 échantillons par jour. L'objectif visé par le gouvernement est de diagnostiquer un maximum de personnes suspectes afin d'éradiquer la pandémie, précise Docteur Adawaï Chété, chef de sous-unité de laboratoire du Centre hospitalier universitaire de référence nationale. Pour le coordonnateur national des ripostes sanitaires, le diagnostic est le meilleur moyen de prévention. Le diagnostic du COVID-19 est fondamental pour la gestion de tout le reste de la maladie. Nous sommes actuellement dans une espèce de phase de rémission de l'épidémie, mais toutes les épidémies dans leur histoire rebondissent. Il n'est pas exclu que cette épidémie-là puisse rebondir et être près du point de vue du diagnostic est capital pour pouvoir prendre toute décision et gérer la maladie. Pour une meilleure prévention et surtout une lutte
efficace contre la COVID-19, la décentralisation des centres de dépistage s'impose, dira le ministre de la Santé publique. Je tiens à vous informer que dans bientôt, un autre site de diagnostic COVID-19 verra le jour à l'IRETE et s'en suivra. Dans un bref délai, l'extension des sites de diagnostic COVID-19 dans les provinces à l'aide des 16 équipements jeunes experts que nous disposons. 7 autres seront acquis dans le cadre du plan de contingence de la COVID-19. Cette unité de diagnostic de COVID-19 du Centre hospitalier universitaire de référence nationale est créée par la décision numéro 002 de la Coordination nationale des ripostes sanitaires. Le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, de concert avec l'UNESCO, organise du 24 au 29 juin un atelier technique restreint pour l'identification, la planification et la conception des situations d'apprentissage en éducation de base non formelle. On fait le point avec Apolline Gagné. Face à la pandémie de COVID-19, le ministère de l'Éducation nationale adapte un plan de situation d'apprentissage. Et c'est par la mise en œuvre du plan de réponse nationale du secteur éducation, lequel mobilisera l'ensemble des partenaires de l'éducation. C'est dans ce sens que se tient la présente formation qui regroupe les élèves instituteurs des ENI, des écoles normales d'instituteurs et des encadreurs pédagogiques provinciaux. Cette formation vise à assurer la continuité des apprentissages en mettant en place des programmes d'enseignement bilingue à distance d'urgence. Pour le directeur de la formation des enseignants du fondamental et du secondaire, il est important que les actions à entreprendre soient bien ciblées, mûries et adaptées au contexte et aux caractéristiques des publics cibles. Nous sommes en ce moment dans une ère de difficultés et nous pensons que cette formation à distance est une solution à cette difficulté. Le responsable en charge de la formation à l'UNESCO a relevé que les initiatives de réponse que tente d'apporter son institution s'inscrivent en droite ligne des objectifs de ce plan de réponse nationale. L'UNESCO répond à une mobilisation générale suite à la pandémie COVID-19. C'est notre modeste contribution à nous. Selon le directeur général adjoint du ministère de l'Éducation nationale, cette décision de fermeture des écoles avait été prise sans une planification au préalable du fait de l'urgence de la situation. Il s'agit spécifiquement pour vous, chers participants, d'identifier les différents supports pédagogiques déjà existants et utilisables tout de suite dans les ENI, répondant aux situations d'apprentissage. D'identifier les situations d'apprentissage manquantes en lien avec les plans pédagogiques et les supports existants disponibles. Cette intervention de l'UNESCO cible la mise en place du mécanisme de diffusion d'apprentissage à distance via la radio, la mise en ligne des cours conçus et des programmes du post-primaire et le suivi des apprenants durant la fermeture des établissements. Le représentant du ministre de la Femme, Ismaël Adoum Hamid, a installé ce matin à la Maison de la Femme la coordination nationale du Forum international de femmes de l'espace francophone et la journée des initiatives de femmes africaines section Tchad. Le point avec Marali Joséphine. À la faveur de cette cérémonie d'installation, Fatimé Assara Abdelaziz devient la toute première coordinatrice nationale du Forum international des femmes de l'espace francophone et de la journée des initiatives des femmes africaines FIFEF-JIFA section Tchad. Elle est assistée directement dans sa tâche de Neloum Baygoutou. Elles auront à leur côté 9 membres du bureau exécutif et 23 représentants des différentes provinces du pays. La présidente du comité d'organisation, Khadija Clémence, après avoir rappelé le contexte dans lequel est créé le FIFEF-JIFA, a signifié que cette organisation non gouvernementale de développement regroupe 11 pays de la sous-région Afrique centrale. La coordinatrice régionale de l'Afrique centrale, Banata Tchalessou, situe l'objectif premier de cette organisation panafricaine. Le FIFEF vise comme objectif principal de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes filles dans les pays membres de l'espace francophone et observateurs dans un cadre de concertation permanent à travers la défense de leurs droits.
La coordinatrice nationale Fatime Assara Abdelaziz, tout en reconnaissant la lourde tâche qui l'attend, s'engage avec le soutien des membres à relever les défis liés à la problématique de l'épanouissement de la femme. Le représentant du ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale rassure la coordination nationale de l'appui de sa hiérarchie. Je profite de l'occasion pour féliciter les membres de la coordination nationale composée des femmes leaders sur lesquelles une confiance est accordée et beaucoup d'efforts et de réalisations sont entendus. Je ne saurais terminer mon propos sans réaffirmer la disponibilité et le soutien du ministère de la Femme à l'équipe de la coordination nationale qui, j'en suis persuadé, mettra tous les efforts nécessaires pour l'atteinte de ses objectifs. Ismaël Adoum Hamid invite la coordination nationale et l'équipe qui l'entoure à mettre en pratique la politique commune des 11 pays de l'Afrique centrale en faveur de la gente féminine. L'assistance du comité provincial de veille du CANEM continue son bon nombre de chemins. Hier, le département du CANEM a reçu le don du gouvernement destiné aux couches vulnérables. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur Hassan Terap. Mamadou Marwaro. C'est en présence de différents délégués, chefs de service, des forces de défense et de sécurité, des religieux et chefs traditionnels, que le gouverneur de la province du CANEM Hassan Terap a remis un lot de matériel au préfet du département du CANEM. Il s'agit des sacs de riz, des pâtes alimentaires, de l'huile, des cache-nez, des gels hydroalcooliques, des mouchoirs, des appareils de désinfection et autres pour répondre aux besoins des personnes confinées et mises en quarantaine en cas de besoin. Le préfet du CANEM, Brahim Alifa Ali, a dans son mot salué l'engagement et la lutte que mène le gouverneur Hassan Terap et son équipe depuis l'apparition du Covid-19 dans notre province. Le préfet d'ajouter que le département du CANEM fera aussi de son mieux en matière de lutte contre cette pandémie pour un résultat satisfaisant. Le gouverneur du CANEM, Hassan Terap, a exhorté les différentes entités de vulgariser la sensibilisation pour qu'il n'y ait pas plus de cas de contamination de Covid-19. On a eu 18 cas. Mais je pense que ces derniers temps, il y a eu un status quo. Les 18 cas sont restés intacts. Donc nous ne souhaiterions pas que nous ayons un cas encore de plus. Donc vous allez vous atteler, monsieur le préfet, à mener une campagne intense de sensibilisation auprès de vos sous-préfets qui sont sous votre responsabilité. Les sous-préfets, à leur tour, feront un effort d'aller vers les chefs-lieux de canton. Les chefs de canton, à leur tour, effectueront des campagnes de sensibilisation dans les gros villages. À la fin de cette cérémonie, le gouverneur de la province du CANEM Hassan Terap est parti réceptionner une tente climatisée remise par le ministère de la Santé à la délégation sanitaire de Mao. Je reviens à vous, monsieur le gouverneur. Vous étiez déclaré positif à la COVID-19 et la maladie s'est guérie. La preuve, c'est vous. Dites-nous comment vous avez vécu la maladie jusqu'à la guérison. D'abord, je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez pour faire un témoignage par rapport à la COVID-19. Il est certes vrai, j'ai contracté la COVID-19, mais je ne saurais répondre à deux questions. Comment j'ai contracté cette maladie et qui m'a transmis cette maladie? Le 13, j'étais malade avant le 13. Je croyais souffrir du paludisme. J'ai commencé un traitement de paludisme pendant 48 heures. Le troisième jour, je commençais à vomir. Mais en suivant la télévision, les techniciens de la santé expliquaient que les signes prémices de la COVID, c'est perdre l'odorat, perdre le goût. Et donc, subitement, effectivement, le troisième jour, j'ai constaté que j'ai perdu l'odorat. J'ai pris le parfum, je me suis parfumé, j'ai tenté de sentir, je ne sentais rien. Si je buvais l'eau, l'eau n'a plus, c'est incolore, il n'y a plus une couleur forte. Alors je me suis dit, est-ce que c'est pas ce que les gens décrivaient à la télé là, qui m'est arrivé? J'ai appelé aussitôt le délégué de la santé pour dire, monsieur le délégué, si vous pouvez
venir avec votre équipe pour pouvoir nous tester. Bon, au départ, eux-mêmes, ils ne croyaient pas. Ils croyaient que c'était du paludisme. Ils sont venus me prélever le 13. Le 14, à 20h, le délégué m'appelle pour me dire, monsieur le gouverneur, je vous demanderai d'être courageux. Le résultat est arrivé et vous êtes déclaré positif. Et quelle était votre réaction en ce moment précis? Bon, ma réaction, j'ai dit à monsieur le délégué, j'ai dit, bon, c'est une maladie comme toute autre. Et donc, je vais la gérer. Mais je vous demanderai de mobiliser une ambulance pour moi, parce que étant diabétique, le plateau technique à Mao ne peut pas me donner grand espoir. Ouais. Donc, il faudrait que je me rapproche d'un grand centre. Le premier réflexe qui m'est arrivé, c'est d'appeler mon ministre de tutelle, le ministre de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, qui est mon supérieur hiérarchique direct, pour l'informer que voilà, j'ai été testé positif à la COVID-19. Et j'ai demandé au ministre d'intercéder auprès de son collègue de la santé publique pour qu'on puisse m'emménager une place à l'hôpital de Farchat. Le ministre l'a fait. Parce que le ministre de la Santé m'a dit que le ministre de l'Administration l'a appelé 5 fois. Donc, voilà, n'est-ce pas, les démarches. Arrivé à Farchat, la première des choses, on m'a pulvérisé et on m'a donné des médicaments. On m'a donné une boîte d'azithromycine que j'ai pris chaque jour un comprimé pendant les 3 jours. Ensuite, on m'a donné des chloroquines que j'avalais. Deux, chaque 8 heures, je commençais à 7 heures, à 15 heures, 2, et à 28 heures, à 23 heures, 2. Donc à l'intervalle de 8 heures. Oui. Donc 6 comprimés par jour. Donc j'ai fait 48 heures à l'hôpital de Farchat, mais j'ai eu des complications de respiration. Au troisième jour, on m'a soumis, j'étais sous oxygène. Et j'avais des difficultés pour respirer. Le collège des médecins s'est retrouvé et ils ont décidé de me transférer à la Renaissance parce qu'ils disent que le plateau technique là-bas est meilleur. Okay. Et c'est ce qui a été fait. On m'a transféré à la Renaissance. J'ai été pris en charge et j'ai passé le scanner qui a révélé que 60% de mes poumons étaient bien, mais que 40% commençaient déjà à être touchés. Okay. Êtes-vous convaincu que vous êtes complètement guéri de la maladie et votre alentour blessé aussi? Mais si je n'étais pas guéri, madame, je ne serais pas à côté de vous. Non, parce que ce pauvre demain est complètement guéri, comme on le dit. Donc. Oui, mais j'ai été guéri parce que j'ai un certificat médical de guérison qui m'a été délivré. J'ai été entré à l'hôpital de Farchat le 15. J'ai quitté l'hôpital de la Renaissance le 25. J'ai mis un 11 jours. Pendant 11 jours, j'ai pris mon traitement. J'ai été testé 2 fois et les résultats se sont révélés négatifs. C'est après cela qu'on m'a demandé d'aller à la maison, mais avec une ordonnance qui me demande d'être confiné pendant 14 jours. Et une ordonnance qui me dit de consommer 3 chloroquines par jour pendant 1 mois. Et c'est hier le 23 que j'ai fini, n'est-ce pas, mes chloroquines. Je voudrais vous dire que j'ai consommé 152 comprimés de chloroquine. Et 5 comprimés d'azithromycine. Voilà. Donc vous êtes convaincu. Que pensez-vous des efforts du gouvernement et du personnel soignant? Bon, je voudrais très honnêtement, sans faire de la politique, il faut être reconnaissant à la personne qui vous a fait du bien. Tous les malades de COVID-19, toutes les personnes atteintes de COVID-19, aujourd'hui reconnaissent l'effort du gouvernement. Le connaissent l'effort de son excellent Monsieur le Président de la République, qui est le président du comité de gestion de la crise sanitaire. Ils reconnaissent également les efforts de la coordination nationale technique de riposte à la COVID. Le président de la République a mobilisé tant de moyens matériels et financiers pour pouvoir apporter, c'est-à-dire secours à toutes les personnes malades. Je suis témoin. On a été nourri, restauré à la charge de l'État. On a été traité à la charge de l'État. Les 3 repas sont assurés quotidiennement. Le matin, vous avez votre petit déjeuner avec un croissant. À midi, vous avez le déjeuner, n'est-ce pas, un repas copieux, ou soit des poissons, de la viande,
ou de la volaille, accompagné également de fruits. Vous avez une pomme, ou soit orange, ou soit une mangue. Ensuite, accompagné d'une bouteille de coca pour ceux qui ne sont pas diabétiques, avec de l'eau. Le soir, c'est la même chose. Donc, il faut reconnaître que l'État s'est employé, s'est démené pour pouvoir venir, n'est-ce pas, au secours de toutes les personnes atteintes de Covid. Les personnes contaminées et guéries sont stigmatisées par certaines personnes, voire même la famille. Avez-vous un message à lancer à l'endroit de ceux qui rejettent ces personnes? D'abord, je voudrais compléter, parce que je manquerais, n'est-ce pas, un devoir si je ne remerciais pas le personnel soignant. Les personnels soignants ont été à la hauteur. Les médecins, les techniciens supérieurs des labos, les laborantins, les infirmiers, les techniciens de surface et les chauffeurs d'ambulance nous ont été vraiment d'un grand soutien. Vous savez, cette maladie, quand vous êtes malade, vous n'avez pas un garde-malade. Les personnels soignants ont joué un double rôle. En même temps soignants et en même temps ils sont des gardes-malades. Ils veillent sur vous. Ça, je voudrais vraiment les remercier sincèrement du fond du cœur. Ils se sont donnés corps et âme. Et je suis fier des personnels soignants tchadiens. Il n'y en avait pas d'expatriés. C'était des tchadiens, quelques expatriés, un ou deux, mais l'ensemble était des tchadiens. Ils ont été à la hauteur. Aujourd'hui, si nous voyons le nombre de guéris, il faudrait reconnaître que vraiment... C'est grâce à ces personnels. Maintenant, je reviens, n'est-ce pas, pour la stigmatisation. Oui. Je voudrais le dire aux uns et aux autres, aux parents et aux chers compatriotes. Vous savez, la COVID, c'est une maladie comme toute autre maladie. Que ce soit le choléra, Ebola, le diabète, le cancer, ainsi de suite. Mais quand une personne est malade, la maladie est d'abord mentale et psychologique. Les parents doivent apporter leur compassion à la personne malade. Les parents doivent entourer la personne malade de toute affection. Parce que quand on est malade, il ne faudrait pas qu'on vive en paria. Il ne faut pas qu'on nous considère comme des personnes pestiférées. C'est après la guérison, comme vous dites, être entouré de sa famille, c'est après... Oui, mais après, parce que les stigmatisations, ça vient après. Ah, oui. Ce n'est pas avant, c'est après. Oui, oui. Mais maintenant, il faudrait que quand même, les gens soient sérieux. L'humilité, parce que nous ne savons pas. Aujourd'hui, nous sommes victimes de la COVID. Je le dis, nous, c'est le nous de modestie. Mais sinon, je dois dire, j'assume ma responsabilité. La personne atteinte de COVID est malade, certes, a été malade. Mais en ce moment, nous ne présentons pas de maladie. Mais il ne faudrait pas que les gens croient qu'on est des pestiférés et il faut fuir, il faut rejeter. Ce n'est pas une bonne manière. L'humanisme dont on montre les personnels soignants, c'est ça qui incarne le caractère humanitaire. Hein? Et c'est ça qui donne également à la personne, n'est-ce pas, un moral quand même qui doit être au goût fixe. Aujourd'hui, le gouvernement a été vraiment à nos côtés. C'est ça qui nous a donné du moral quand on était malade. Les infirmiers, les médecins nous considéraient, n'est-ce pas, comme des malades ordinaires. Et parmi certains d'entre eux ont contracté même la maladie à cause de nous quand on nous soigne. Donc, j'aurais aimé que l'ensemble de la population considère, n'est-ce pas, que la personne atteinte de Covid, c'est une maladie. Ordinaire. Mais cette personne ne présente aucun signe, aucun danger. Si elle présentait des signes et des dangers, de l'hôpital, on ne l'aurait pas libérée. Merci. Et donc, il faut l'entourer avec vraiment de compassion et d'affection pour que la personne puisse intégrer moralement la société et pour qu'il se sente tranquille. Parce qu'en les stigmatisant, on va envoyer la personne à la mort. Et ce n'est pas une bonne manière. Merci, M. Assantera, gouverneur de la province du Kanem, guéri de la COVID, pour ce chaud témoignage. Et nous poursuivons ce journal. Le gouverneur de la province du Mandjari a présidé une rencontre d'évaluation des activités du comité provincial de lutte contre la COVID-19. Toi, Derry Alexis. Cette mission a pour objectif d'évaluer les activités du comité provincial de gestion de crise sanitaire dans le domaine de surveillance épidémiologique, prise en charge, laboratoire et médicaments, hygiène et assainissement, ressources et logistique, mobilisation sociale, finances et ressources humaines. Dans son rapport,
la mission a indiqué que depuis le 7 mai où le premier cas est notifié dans la province, à ce jour, on dénombre 11 cas confirmés avec 4 décès. Avec la promptitude et le dynamisme des autorités administratives et sanitaires, les efforts suivants ont été répertoriés. Il s'agit entre autres de la mise en place des 3 postes de surveillance installés aux entrées de la ville de Sarre, la disponibilité de sites de confinement, la formation du personnel impliqué, le dynamisme avéré des associations dans la sensibilisation de proximité, la sensibilisation sociale entreprise par le gouverneur et l'appui spontané des ONG et du secteur privé. Toutefois, la mission a relevé quelques insuffisances que sont la précarité des matériaux de construction des tentes, le risque que comporte la mise à disposition des contacts personnels des responsables de santé pour des appels des patients, le non-respect du protocole de prélèvement. À toutes ces observations, quelques recommandations ont été formulées à l'endroit de la Coordination nationale de repos sanitaire, du Comité provincial de gestion des crises et à la Coordination provinciale de riposte contre le coronavirus. Les participants ont également fait quelques observations avant d'apporter certaines contributions que sont doter la province de kits de prélèvement, appuyer le plan provincial de communication, reconnaître et appuyer les efforts des radios locales dans cette lutte en termes de formation, enfin plaider pour la formation des responsables des centres de santé. Restons toujours dans nos provinces, dans la province du Lac. Abdallah Fadoula a fait une communication relative au lancement des distributions de masques offerts par le gouvernement pour faire face au COVID-19. Soukassia Prosper. Dans sa communication, le gouverneur de la province du Lac, le général de division Abadi Saleh Fadoul, a salué le leadership et la clairvoyance incontestable du président de la République Idriss Déby Itno, un leader charismatique à l'écoute de son peuple. Abadi Saleh Fadoul a insisté sur le respect strict des mesures barrières. En début du fléchissement de la courbe de la maladie à COVID-19, j'en rappelle au sens de la responsabilité et la présence de tout un chacun de vous. L'optimisme ne doit aucunement faire place au relâchement, car le virus est imprévisible et signe son retour dans certains pays qui ont cru l'avoir vaincu. Ainsi, le port systématique des masques, la distanciation physique et le lavage régulier de mains au savon et au gel hydroalcoolique, bref, la continuité dans le respect des mesures barrières doit guider le fait et le geste de chacun. Abadi Saïd Fadoul a demandé au leader religieux de mener une sensibilisation de proximité car la province du Lac, compte tenu de sa proximité avec le Niger, le Nigeria et le Cameroun, reste une porte potentielle d'entrée de la maladie dans notre pays. Pour le premier magistrat de la province du Lac, la COVID-19 ne doit pas distraire les autorités de leurs priorités que sont la lutte contre les violents et la relance du développement socio-économique de la province du Lac. Pour mener à bien la sensibilisation, Abadi Saïd Fadoul a remis des lots de masques aux organisations de jeunes, des femmes, aux confessions religieuses, aux comités de sages et aux partis politiques. L'actualité reste dominée par la lutte contre le coronavirus. Les associations de la place se mettent en rang série. Et comme demain c'est la reprise de cours, beaucoup d'entre elles ont investi les établissements scolaires, les universités pour la désinfection. Alima Matibilou. L'université virtuelle du Tchad subit sa cure des jouvences à la veille de la reprise des cours. Les jeunes de l'Internet Society nettoient et désinfectent toute l'université. Les tables-bancs, les ordinateurs, les portes, rien n'échappe aux mains désinfectantes. À cette reprise de cours, ces jeunes ne veulent pas du tout que le coronavirus s'invite en classe. Et pour le président Tidiane Mahamat Adam, il faut donc offrir aux élèves un environnement sain. Dans la même journée, l'opération s'étend à l'École nationale supérieure des technologies de l'information et de la communication, ENASTIC. Sur place, Internet Society passe à la même action. Nettoyage et désinfection de tous les coins et recoins de l'établissement. Au lycée féminin d'Amrigebe, c'est le réseau Almouna pour la paix et le développement qui est à l'avant-garde. Face à ces virus pernicieux, la propreté, selon les membres de ces réseaux, s'impose. Il nettoie de fond en comble tout l'établissement. Objectif, offrir un cadre propre aux élèves. Pour les coordonnateurs, son organisation veut contribuer à cette lutte. Sidik Sougiloni invite par la même occasion les élèves au respect des mesures barrières. Dans cette guerre contre le coronavirus,
l'association des jeunes entrepreneurs du Tchad ne veut pas jouer aux spectateurs. Elle entre aussi en scène et désinfecte l'université Hek Tchad et la mosquée Oumar Moussa de Ridjina. De la propreté pour ne laisser même pas une infime place au virus. Pour la présidente Hachi Ahmad Hamad, face à cette pandémie qui a mis toute la planète à genoux, seule l'union fait la force. Et son organisation joue sa partition aux côtés du gouvernement pour fermer la porte au virus. Elles sont toujours dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. L'association de l'Ami Fortin Djamino a procédé ce matin au lancement des distributions de masques dans la commune du 2e et 8e arrondissement de la capitale. Au cours de cette cérémonie, un hommage a été rendu à Feu Fatidouga, maire de la commune du 2e arrondissement. Fonete Josiane. À l'entame de cette opération de distribution des masques de protection, une minute de silence est observée en mémoire de Feu Fathi Douga Amat, maire de la commune du 2e arrondissement. L'association de l'Ami Fortin Ndiaménois vient ainsi de rendre un hommage mérité à l'un de ses importants membres disparus. Cette opération de distribution des masques de protection contre le coronavirus à la population lui a été dédiée en guise de reconnaissance et de mémoire. Geste qui n'est pas fortuit selon le président de l'association de l'Ami Fortin, Ndiaménois. Le choix de cette commune du 2e arrondissement est un hommage que nous voulons rendre à un de nos membres qui nous a quittés. Je vais citer Douga Fati, maire de l'arrondissement du 2e. Le délégué général du gouvernement auprès de la ville de N'Djamena a saisi cette occasion pour faire un témoignage sur la qualité de l'illustre disparu. C'était un collaborateur excellent, c'était quelqu'un de très engagé et il était sur tous les terrains hein, pour non pas seulement lutter contre le coronavirus, mais tout le monde aujourd'hui le reconnaît. Il n'y a pas un domaine qui soit en faveur de la population que Douga Ahmad Fati n'y intervient pas. Selon Assidik Dida, deuxième maire adjoint de la commune du 2e arrondissement, le stade du dit arrondissement serait immortalisé du nom de Fati Douga Ahmad. Au nom de la famille de Fati Douga, Soraj Koulamala, Djibril Nanbe et bien d'autres regrettés, Salia Douga a remercié les Lami Fortin et Ndiaménois pour leur soutien moral et matériel. Après la commune du 2e arrondissement, l'association des Lami Fortin et Ndiaménois s'est ensuite rendue à la commune du 8e arrondissement pour la remise des masques de protection réceptionnés par Madame le maire Fatime Yaya Abdoulaye. Et puis cet arrêté numéro 46 porte en suspension provisoire des mesures édictées par le gouvernement interdisant les entrées sorties en République a dû dire le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, coordonnateur de sous-comité de défense et de sécurité arrête article. La suspension provisoire des mesures édictées par le gouvernement interdisant les entrées et sorties sur l'ensemble du territoire national est prorogée du 25 juin au 25 juillet 2020. Article 2, le coordinateur de sécurité de la ville de N'Djamena et les commissions provinciales de sécurité sont chargées de l'application du présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera inscrit et communiqué partout où besoin sera. N'Djamena, 24 juin 2020, Mohamed Balissala. Et puis le secrétaire général de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des mesdames et messieurs les députés concernés par les séances plénières que la séance prévue demain 25 juin à 10h est décalée à 14h. Le secrétaire général compte sur la compréhension de mesdames et messieurs les députés. À la signature, Al-Ghassim Mahamis, secrétaire général Premier Hotchon. L'association de l'Ami Fortin et quelques partis politiques, à savoir l'UNDR et le RDP, ont remis deux masques au comité provincial du Moïchari dans la lutte contre la COVID-19. C'était en présence du gouverneur. Toi, Dédé Alexis. En remettant ces dons de 1000 cache-nez au comité provincial de gestion des crises sanitaires, le représentant de l'Ami Fortin, Dieudonné Dunabaye, par ailleurs coordinateur de HEC, au conseil de la communication, a souligné que ce geste fait à l'endroit des archibaldiens témoin de l'histoire que ces deux villes cosmopolites ont en commun depuis la Deuxième Guerre mondiale. Quant à la présidente fédérale du parti RDP,
Rassemblement pour la démocratie et le progrès, Madame Altona Marie-Patrice, a indiqué que son parti, en faisant ce don de 1000 cache-nez, s'inscrit dans la lutte contre cette pandémie qui consiste à respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement, dont le port de cache-nez. Chose relayée par le président provincial de l'UNDR, Union nationale pour le développement et le renouveau, Nodjadou Mangardi, en remettant les 600 cache-nez offerts par son parti. Réceptionnant ces dons, le gouverneur de la province du Moïchari, Fogbou Djiber Younous, a tout d'abord remercié au nom de la population les donateurs avant de dire que cela vient pallier aux besoins de 10 000 cache-nez chez les élèves, surtout à l'ouverture prochaine des établissements scolaires. Les partis politiques et les associations de la société civile ont lancé des opérations de sensibilisation et distribution de masques dans les coins et recoins de la capitale. Car c'est aimé. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus, les militants du parti Front des sociaux-démocrates tchadiens ont procédé à la distribution des masques faciaux au petit marché du quartier Goudi et au parc des stationnements communément appelé Tachamosoro dans la commune du 2e arrondissement. Pour le président national du FSDT, Roudouhan Khalid Hassan, ce geste est une contribution de son parti à la lutte contre la COVID-19. Il promet d'élargir cette action dans les établissements scolaires de la capitale. De leur côté, les membres de la coordination nationale pour la paix et le développement au Tchad ont distribué des masques de protection dans le marché à maïs de Carcandier dans la commune du 5e arrondissement. Selon le coordonnateur général Mahamat Oumar Brahim, cette opération de distribution de masques s'inscrit dans l'élan de solidarité visant à stopper la propagation de la COVID-19. De ce marché, la Coordination nationale pour la paix et le développement au Tchad est allé distribuer des masques dans les rues de la commune du 4e arrondissement. Ici, à l'Université d'N'Djamena, l'Amicale des étudiants tchadiens en master de la Faculté des sciences économiques et de gestion a lancé des activités culturelles en vue de la reprise des cours de sensibilisation, de distribution de masques et de savons liquides aux étudiants. Ceci pour la bonne prévention contre la pandémie. Le président de l'Amicale des étudiants, Hassan Omar Mahamat, souligne que cette activité a pour but de sensibiliser les étudiants à observer les mesures barrières afin de contrecarrer la COVID-19. Même son de cloche, dans la commune du 10e arrondissement, où une opération de sensibilisation est initiée par l'Association culturelle pour le développement social. Une opération qui vise à attirer l'attention de la population sur la dangerosité de la maladie. Pour freiner la chaîne de contamination de la COVID-19, le secrétaire général de l'ACDS appelle au strict respect des gestes barrières. De son côté, le réseau des journalistes tchadiens du panel a organisé ce matin, sur appui de l'ONAGES, une formation à l'intention des journalistes, le traitement de l'information en période de la pandémie du COVID-19 au centre des préoccupations. Abdelhadi Mohamed Salih. Dans la lutte contre le coronavirus, les réseaux des journalistes tchadiens, membres du panel, en collaboration avec l'ONAGES, forment les journalistes des organes publics et privés, placés sur la gestion des informations et des données sur la COVID-19 au Tchad. Selon le président du réseau des journalistes tchadiens, membres du panel, Adoum Mangana Adoum, cette formation permettra de mettre sur pied une plateforme qui, à travers les réseaux sociaux, informera la population. Beaucoup de fausses informations ont été fournies autour de cette maladie. Et nous avons bien réfléchi avec les techniciens, y compris également l'ONAGES, en dehors de ce que l'ONAGES fait et continue à refaire sur le terrain dans la lutte contre le COVID-19, et également d'avoir une visibilité dans ce sens. Pour les coordonnateurs de l'ONAGES, Kadr Salekana, la formation des jeunes et les soucis premiers des plus hautes autorités de la République. Dans un contexte de pandémie,
une politique de communication qui profite d'une stratégie globale de circulation de l'information. Cette politique qui vise à entreprendre une campagne pour l'éveil des consciences afin de susciter l'adhésion de la population aux mesures qui sous-entendent la mise en œuvre du processus de développement. Il invite les journalistes participants à cette session à l'assiduité. Le sous-comité sensibilisation, de concert avec l'Union internationale des femmes musulmanes section du Tchad, lance une campagne de sensibilisation dans la commune du 5e arrondissement. Mohamed Omar Mouksik. L'Union internationale des femmes musulmanes section du Tchad apporte sa contribution dans la lutte contre le coronavirus aux côtés du sous-comité sensibilisation. Cette organisation religieuse lance une campagne de sensibilisation contre la COVID-19 dans la commune du 5e arrondissement. L'objectif poursuivi par cette campagne est de participer à cette œuvre commune visant à casser la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus. La secrétaire générale de l'Union internationale des femmes musulmanes, section du Tchad, Khadija Hassaballa Hamid, recommande à la population de cette commune le respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement. Aux fidèles, la secrétaire générale leur demande également d'appliquer à la lettre les consignes données par les plus hautes autorités concernant la réouverture de lieux de culte prévus le 25 juin prochain. Le maire de la commune du 5e arrondissement, Fatime Ahmad Mamat, salue cet élan de solidarité et les choix portés sur sa circonscription administrative. Pour l'autorité communale, face à l'ennemi commun, il est important de mutualiser les actions des luttes. La mairie de la commune du 6e, celle du 3e, l'association citoyenne, ont organisé des séries d'activités dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19. La mouture avec Abdelhadi Mohamed Saleh. Dans le but de favoriser la mise en œuvre des mesures prises par les plus hautes autorités, le maire adjoint de la commune du 6e arrondissement, Abakar Khamis, a fait une communication relative à la réouverture des lieux de culte, des établissements scolaires et d'enseignement supérieur dans ces contextes de COVID-19. Abakar Khamis demande aux leaders religieux et aux chefs d'établissement de prendre des dispositions nécessaires pour éviter tout attroupement dans les églises, mosquées et établissements scolaires. Pour une bonne prévention contre la maladie, la commune du 6e arrondissement a mis sur pied des équipes techniques chargées de désinfecter des lieux de culte et écoles. Dans les mêmes cadres, dans la commune du 3e arrondissement, les délégués des quartiers, chefs de carré et les leaders religieux ont convié à une réunion dirigé par le maire Idriss Michel Michaud. Il est question d'échanger avec ses responsables la stratégie de mobilisation et de sensibilisation afin de conscientiser la population sur l'observance des gestes barrières. C'est une rencontre couplée à la remise des masques, des kits d'hygiène et des dépliants fournissant des informations sur les gestes barrières aux différents responsables de la commune. Pour sa part, l'association Action Citoyenne s'est mobilisée pour rendre un hommage au personnel de l'hôpital La Renaissance pour ses efforts louables dans la prise en charge des patients de COVID-19. Un sacrifice qui, selon la responsable de l'Action Citoyenne, Dingues Zenaba, mérite toute la reconnaissance et encouragement. Très ému par cette reconnaissance, le directeur général de l'hôpital de La Renaissance, Gustave Bassingué, a, au nom de toute son équipe, exprimer sa gratitude à l'Action Citoyenne. La CACIDO, quant à elle, a lancé une campagne de sensibilisation dans le 9e arrondissement afin d'endiguer la pandémie du COVID-19. C'est le coordinateur national, Mama Digadi Baye, qui a lancé cette opération. Abame Mustapha. Cette mobilisation des volontaires de la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme et des responsables de cette organisation a pour but de conscientiser les habitants de la commune du 9e arrondissement sur la nécessité d'observer les mesures de prévention contre la COVID-19. Pour mieux passer le message, les jeunes volontaires ont fait les portes à porte. Le coordonnateur national de la CACIDO lance un appel à la population pour le respect strict des gestes barrières. Nous disons que seul un engagement responsable, discipliné et citoyen, dans le strict respect des mesures barrières, nous permettra de vaincre définitivement la COVID-19.
Ce sont des gestes simples, mais qui sauvent. Contre la COVID-19, la lutte continue jusqu'à son éradication totale et maîtrisée sur toute l'étendue du territoire national. La CACIDO n'entend pas s'arrêter là. D'autres séances de sensibilisation sont prévues dans les restes des communes d'N'Djamena. Lancement ce matin de l'opération de distribution des vivres aux personnes vulnérables dans la province de l'Enedès. La cérémonie a vu la présence du gouverneur Hassan Lamé. 300 tonnes de vivres sont disponibilisées au bénéfice de 2796 vulnérables dans la province de l'Enedès-Est. Pour le lancement de l'opération, 100 personnes reçoivent chacune un sac de 50 kg. Il est question de faire face aux difficultés nées de la mise en œuvre des mesures barrières prises dans le cadre de lutter contre la maladie à coronavirus. Le délégué de l'action sociale Nourène Mahamat Hagar s'est félicité des efforts constants du gouverneur en faveur du bien-être de la population. Chaque vulnérable a reçu sa part. Le gouverneur de la province de l'Enedès-Est, Garboudiou Meder Jacob, dit merci au président de la République et déclare suivre personnellement les différentes opérations de distribution. Je demanderai à l'équipe de la commission chargée pour la distribution de ce vivre de partager équitablement aux personnes concernées. Je prends solennellement l'engagement d'assurer le suivi de toutes les opérations de distribution dans ma circonscription administrative. Après Amdjaras, ça serait les tours des autres départements, à savoir Bahaï, Mourdi et Itou. Le centre Yali, situé dans le premier arrondissement, a servi de cadre à la cérémonie de remise de dons composée de 5000 cartons de date. C'est le secrétaire chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite au Tchad qui a co-présidé la cérémonie avec la secrétaire générale de la fondation Grand Cœur, Katouba Tiofi. Le Royaume d'Arabie Saoudite vole au secours des personnes démunies à travers le centre du roi Salman pour le secours et l'action humanitaire. L'organisation humanitaire saoudienne offre 5000 cartons de date à la Fondation Grand Cœur que dirige la première dame Inda Debi Itnou. Pour le représentant de l'ambassadeur saoudien, ce geste aussi symbolique vise à soutenir les actions de la Fondation Grand Cœur en faveur des couches vulnérables en cette période de crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus. Le secrétaire chargé des affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite, Mamat Nazal, de préciser que cela s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations de fraternité et de coopération entre le Tchad et l'Arabie Saoudite. La représentante de la Fondation Grand Cœur, qui salue cette action humanitaire du centre du roi Salman pour le secours et l'action humanitaire, se réjouit de la confiance faite à son institution pour la gestion de ce don. La présidente de la Fondation Grand Cœur, Madame Hinda Debi Itnou, me charge de vous demander de transmettre les salutations à son Excellence, son Altesse, le roi Salman. Nous vous remercions beaucoup pour ce don qui est d'une valeur inestimable. Habiba Saoulba Gonchome rassure les représentants du centre Roi Salman pour le secours et l'action humanitaire que ce don sera géré de manière équitable. Rendons-nous dans la province du Logon occidental. C'est tout. Restons toujours dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Ahmad Lissine Ahmad. L'opération de désinfection des établissements scolaires et lieux de culte est désormais lancée dans la province du Logone occidental par le sous-comité provincial de sensibilisation contre la COVID-19. Cette action de grande envergure a pris comme départ le lycée de Diarabé de Moundou. Sous la conduite du dit sous-comité provincial de sensibilisation, toutes les salles de classe qui accueillent les élèves des classes d'examen seront pulvérisées pour que la reprise des cours soit effective le 25 de ce mois.
mois. Cette action a donné le sourire à quelques élèves visibles dans la cour de l'établissement qui attendent impatiemment les jours J. Le délégué provincial en charge de l'éducation au Logon occidental laisse entendre que tout est fin prêt pour le redémarrage des activités pédagogiques. On a mobilisé tout le personnel enseignant en tenant compte des mesures barrières édictées par le gouvernement pour contrer la propagation de la pandémie. Donc en ce moment, tout le dispositif est mis en place avec l'appui des autorités provinciales ainsi que sanitaires. Les salles de classe sont en train d'être désinfectées. Après le lycée de Diarabé, les agents d'assainissement de la délégation sanitaire et ceux de la voirie étaient conduits à la grande mosquée de la ville de Moundou par Hassan Boukar Agré, coordonnateur adjoint du sous-comité provincial de sensibilisation. Les pulvériseurs ont pris tout leur temps pour désinfecter complètement ce lieu saint qui recevra les fidèles musulmans le 26 juin prochain pour la prière collective de vendredi. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, section du Logon occidental, Cheikh Mohamed Tahir Abdel Mahmoud Abbas, a salué l'action. Le gouverneur de la province du Logon occidental, Dogo Yacoub, coordonnateur provincial du sous-comité de sensibilisation, attache du prix à la réussite de cette opération qui se poursuivra pour que toutes les mosquées, les églises ainsi que les établissements d'enseignement soient désinfectés. Dans la province du Logone oriental, quels sont les dispositifs pris pour la reprise de cours? Élément de réponse avec Ali Haki. Prendre des précautions pour le respect strict des mesures barrières est le souci qui a conduit le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Turgo, à l'université de Doba, qui va bientôt accueillir 1679 étudiants pour les examens. Là, le gouverneur a procédé au lancement de l'opération de pulvérisation des salles et des bus de transport des étudiants. Un lot de cache-nez destiné au nombre des étudiants concernés par la reprise et au personnel d'appui a été remis au président de l'université de Doba. Pour Moussa Haroun Turgo, toutes les dispositions seront prises pour que le milieu universitaire ne soit pas un nouveau foyer de COVID-19. Le virus circule encore. Donc nous sommes venus ici pour regarder de visu les dispositifs préparatoires de la reprise de cours. Du côté de l'administration, nous avons pris des mesures préventives. Il faudrait que ces mesures-là doivent être appliquées par les étudiants, les enseignants, le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Ça, c'est très important. Professeur Mbaye Naïbé Jérôme, président de l'Université de Doba, a remercié le gouverneur pour ses efforts inlassables dans la lutte contre le coronavirus avant de rassurer Moussa Haroun Turgo de l'applicabilité des mesures barrières édictées par le gouvernement. Juste après cette visite de l'université de Doba, le gouverneur a eu une séance de travail avec le leader religieux de la province, prélude à la réouverture des églises et mosquées. Au cours des échanges, le gouverneur a signifié aux responsables religieux que les lieux de prière seront d'abord pulvérisés avant une éventuelle fréquentation des fidèles. Les responsables de l'église catholique de l'EMED et du Conseil supérieur des affaires islamiques ont adhéré à cette initiative ayant pour but de rompre la chaîne de contamination du COVID-19. Les responsables des différentes confessions religieuses ont promis de sensibiliser leur coordination départementale pour atteindre les fidèles afin que les mesures de lutte contre le coronavirus soient observées à la lettre dans les églises et mosquées. 1500 cache-nez et des cartons de savon leur ont été remis par le gouverneur. La NBA a déclaré Chris Koumadji meilleur défenseur de l'année 2019-2020. Le jeune basketteur tchadien qui évolue au club Delaware Blue Coast a réalisé une performance incroyable. Qui est Chris Koumadji? Son portrait avec Innocent Clayou. Né à Sar dans le sud du pays, Chris Koumadji se fait parler de lui dans le championnat de basketball américain, la NBA G-League, c'est-à-dire l'antichambre de la grande NBA. Âgé seulement de 24 ans, le Tchadien se fait d'abord remarquer par sa taille de 2,25 m. Une taille très admirée et très recherchée dans le basketball professionnel aux États-Unis et d'ailleurs. Chad et Koumadji. Thunders one home on an alley-oop. Wasn't over his head. It might have been, but he reached up. Cette immense taille de 2,25 m a permis aux dignes descendants de Sao et de Toumaï de s'imposer dans le basketball américain.
Lors d'un match test chez les professionnels de Philadelphie de la NBA, Chris Koumadjé a réalisé une performance énorme contre le club Oklahoma City. 10 points, 11 rebonds en 20 minutes seulement. De retour cette année au club de Delaware Blue Quartz. La performance du jeune basketteur tchadien a été au top des tops, surtout en défense. Il réalise 16 double-doubles et un triple-double en 33 matchs. Cette grande performance de toute la saison le classe comme meilleur défenseur de l'année 2019-2020. J'ai bien bossé pendant l'été, j'ai bossé pendant la saison. Et bon, quand tu travailles dur, tu espères des bons résultats et tout. Donc ouais, franchement, bon ouais. Avant la saison, j'avais des doutes et tout ça, mais quand j'ai commencé à bosser, tu vois, quand tu bosses, tu prends de la confiance, tu as confiance en toi. L'immense talent du Tchadien commence à attirer les convoitises. Sénégalais, Nigérians, Ghanéens et même Américains le réclament pour intégrer leur équipe nationale. Mais la réponse du nanti de la ville de Sarr est nette. Je suis Tchadien et je reste Tchadien. Je suis Tchadien 100% de père et de mère et ça serait vraiment un honneur pour jouer pour l'équipe nationale et tout ça. En tant que Tchadien, j'espère que le jour viendra. Je suis Tchadien et je veux jouer dans l'équipe nationale à n'importe quel moment. À la Fédération Tchadienne de Basketball, l'on se réjouit et l'on se prépare pour aligner un jour l'enfant prodigue dans l'effectif des Sao. Pour l'instant, Chris Koumadjé souhaite intégrer un grand club de la grande NBA. Chad. Koumadjé! Thunder's one home on an alley-oop. Wasn't over his head. It might have been, but he reached. Et voilà, ainsi donc c'est la fin de cette édition. Merci à vous, très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Charles.